la Fondation Plan Alzheimer. Elle est prévue par la solution 21 du plan et créée dès la fin juin 2008. La Fondation Plan Alzheimer a pour but de coordonner la recherche Alzheimer en France et d'attirer les meilleurs chercheurs sur les meilleurs projets, tout en développant des partenariats avec les acteurs privés. Le site www.fondation.alzheimer.org. Le centre malade jeune qui fait toujours partie du plan Alzheimer. Le centre national de référence pour les malades Alzheimer jeunes, c'est le CNR-MAJ, prévu par la solution 19 du plan Alzheimer, a été créé en février 2009. Il a pour but de répondre aux problèmes spécifiques des malades jeunes, en particulier dans les domaines du diagnostic tardif, de l'errance diagnostique, mais également de la prise en charge, car ces patients ne peuvent bénéficier des aides proposées aux personnes de plus de 60 ans. C'est également comme but le développement de la recherche sur ce groupe de malades à partir d'études des mécanismes génétiques, physiopathologiques et sur les thérapeutiques innovantes. Le site www.centre-alzheimer-jeune.com. La Fondation IFRAD, IFRAD. La Fondation IFRAD, dédiée à la recherche sur la maladie d'Alzheimer, a été créée, elle, en 2004, pour promouvoir un projet destiné aux chercheurs du monde entier, à partir de thèmes scientifiques particuliers. Le site www.fondationifrad.org. Je voudrais également citer le Journal of Alzheimer's Disease. C'est le journal de la maladie d'Alzheimer, en anglais, qui est un journal multidisciplinaire, international, qui a pour mission de faciliter le progrès dans la compréhension de la maladie. Le site www.j-alz.com. Je voudrais également citer le site de la Sécurité sociale, Amélie, de la CNAM, la CEPAM, Amélie, qui est un site excellent d'information sur la maladie d'Alzheimer, ainsi que d'ailleurs sur toutes les autres maladies, mais en particulier sur la maladie d'Alzheimer. Également, la référence à la HAS, Autorité de la Santé en France, qui a développé un grand nombre d'informations sur la maladie d'Alzheimer.